Imaginons un court instant que nous nous soyons trompés et que, contrairement à ce que nous croyons, le temps défile à l'envers. Notre trépas serait synonyme de notre naissance. Notre naissance, un départ d'une ancienne vie, et notre enfance, elle, enfin, en serait le paradis. Cela faisant de nos vies entières une simple destinée où finalement tout serait déjà tracé. Ainsi, les cadrans solaires ne reflètent un horaire qui n'est que l'ombre de lui-même, reflétant alors éternellement son contraire. La Terre, elle, centre de gravité de ce système, y laisse ses résidents vivre à contresens cette arythmie qu'est leur vie. D'ailleurs, pour Mimi la bougie de cire, vieillir ce n'est pas grandir, mais rétrécir pour revenir comme à son tout commencement, l'ombre de son premier scintillement. Floraison numéro 7. Il est 22h22, au lieu dit les croûtes fourmis. Il est 22h22 comme toujours, depuis que les horloges se sont arrêtées le 21 juin 1989 à 22h22 exactement. Dès lors, les hommes se sont retrouvés coincés dans un monde qui n'avance plus, un monde qui ne tourne plus, un monde d'ennui où l'on a tari toutes les sources du plaisir. Un monde où les 4x4 sont devenus tétraplégiques, les manches disques anorexiques et les réveils comme paralysés. Au lieu dit, depuis que le temps s'est arrêté, les hommes se repèrent à la floraison des plantes pour avoir un repère dans le temps. Une floraison équivaut à 12 mois du temps d'antan. 12 mois du temps où le temps passait. Enfin, du bon vieux temps. Mais désormais, seule l'évolution des plantes et des arbres se fait encore. Les hommes et les femmes, eux, ne vieillissent plus. Comme si la nature avait repris le dessus sur l'humanité tout entière et les condamnait à la vénérer. Au lieu dit, on peut trouver aussi Maria. Maria a des grands yeux tout ronds comme les grands roues des fêtes foraines avant leur ouverture. Ses lèvres sont serrées et pincées, et ses cheveux répartis en deux fines couettes sont maintenus par des rubans ou des barrettes qui les serrent un peu comme la ferraille serre les doux poils d'un pinceau. Pour Maria, ce fut lors de sa première grossesse que le temps a décidé de prendre congé. Maria fut enceinte durant 8 mois et 7 floraisons, au bout desquelles son enfant a préféré en finir et a fini par se pendre avec son cordon ombilical. Au lieu dit, on peut trouver aussi un petit clown, mais il ne fera jamais rire personne. Au lieu dit, on peut trouver Orio. Orio, mais tout le monde parle de lui sous le surnom de gueule de travers. Orio a la tronche en biais, c'est vrai, mais ses idées sont aussi bien rangées dans sa caboche que des sardines dans leur boîte. Mais sans queue ni tête. Au lieu dit, on peut trouver le vieux Gilbert, un vieux fou, un écrivain désaxé qui s'évertue à arracher des feuilles blanches tout en s'arrachant les cheveux pour trouver une fin à son histoire. Le vieux fou s'est lui-même chargé de s'occuper de pigeons voyageurs en vue d'avertir le monde extérieur de leur présence hors du temps. Mais les pigeons n'en reviennent que très rarement et toujours avec les mêmes petits messages griffonnés par les résidents accrochés à leurs pattes. Au lieu dit, on peut trouver aussi Colette. Colette prétend qu'il existe un vieux livre qui marmonne des sons à la cave. Elle raconte aussi que le temps ne s'est pas vraiment arrêté, mais que ce serait un homme qui l'aurait volé, le braconnier du temps qui passe. Une immense horloge sur le dos, et s'est emparé du temps pour ne laisser que tristesse et monotonie, au lieu dit, des gros fourmis. Il est 22h22 au lieu dit, des gros fourmis, une larme coule de l'œil de Maria, deux autres des yeux d'Orio, floraison numéro 5, tout le monde attend la revenue du temps. Au lieu dit, des crottes fourmis, les résidents emportent avec eux une boîte mystérieuse qui contient tout ce qu'ils ont de plus cher et de plus merveilleux à leurs yeux. Toutes leurs photos, leurs bibelots, leurs souvenirs,
de bons moments. Partout où ils se rendent, ils la prennent avec eux car sa force est telle et sa puissance est telle qu'elle fait l'effet d'une drogue à celui qui la possède, retraçant tous ses plus beaux moments en un flash presque orgasmique. Ces boîtes, si on les ouvre, vous projettent mille lumières en plein visage, accompagnées de rires, de baisers, de larmes, de joie et de tendresse. Tous les plus beaux moments d'une vie entrelacés les uns dans les autres pour vous tisser un voile éblouissant de bonheur. Floraison numéro 4. Il n'y a que ce silence de plomb, et pas un tic-tac n'est présent pour rythmer sa cadence. Seul le jaune d'une vieille boîte de sardines à l'huile vient égayer le tableau. D'un coup, Orio ouvre la boîte de sardines à l'huile, saisit l'une d'entre elles, la pend au-dessus de sa gueule, puis la mange goulûment en faisant de gros bruits, pour regarder ensuite Maria dans le blanc des yeux, avec ce petit air gêné qu'a l'enfant surpris à chiper de la confiture en douce. Puis, il se place deux clous sous les lèvres, imite le cri de l'otarie, frappe dans ses mains en faisant un bruit de morse. D'un coup, Maria sourit. C'est l'heureux événement et ça faisait de longues fleurs qu'on n'avait pas pu lire ça dans ses yeux. Un brin de gaieté, de joie, de bonheur. Pendant quelques instants, c'est comme si on avait replacé le saphir sur le tourne-disque et que tout dansait et valsait à tout va. Maria sourit. C'est l'heureux événement, ouais. Mais un court événement de courte durée seulement. Alors, c'est décidé. À la fin du repas, la boîte de sardines à l'huile vide aura une place dans la boîte mystérieuse d'Orio. Mais à la deuxième floraison, c'est la crise. Maria débarque chez Vieux Fou d'un air pressé, pose un parchemin et une tête de brochet empaillée sur le comptoir et dit « Vieux Fou, un objet, un message. » Le Vieux Fou observe l'objet. Il refuse de le considérer comme monnaie d'échange et s'écrie à l'imposture. Et criait « Mère nature, redonne-nous la cadence et redonne-la aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen !» Du coup, c'est tout le dit qui se met en branle. Les bougies crépitent, les allumettes vibrent et les boosts s'écartèlent pour laisser place l'espace d'un instant au fond du tunnel à l'image de trois coups jonglant au ralenti avec les pages d'éphémérides géants et riant aux éclats des blagues inscrites sur celles-ci. Les pigeons se sont tant et tant débattus dans leur cage qu'il provoque une pluie de plumes sur le lieu dit tout entier, apaisant ainsi petit à petit les esprits. Tout le monde observe les plumes tomber comme un message divin qui chercherait poliment à dire « S'il vous plaît,
Fermez vos bouches. C'est vous. Décide à aller voir Maria avec à la main un bouquet de fleurs de son cœur. Tiens, Maria, c'est pour toi. C'était pour te dire que je t'aime et que je tiens très fort à toi. Mais j'en veux pas de tes fleurs, Orio. Mais pourquoi tu veux pas de mes fleurs? Parce que je t'aime pas. Mais pourquoi tu m'aimes pas? Parce que t'as un petit garçon dans ta tête. Pourquoi c'est un petit garçon? Je sais pas. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tes fleurs, c'est vraiment zéro. Alors, Maria, si nos yeux, comme des miroirs mis face à face, ne peuvent pas refléter nos images à l'infini, alors je préfère me crever les yeux. Et dans ce noir le plus complet, je nous réinventerai une histoire pour la changer en ce qu'il pourrait exister de mieux au monde, pour que notre bonheur, enfin, soit éternel. Des boîtes de bonheur, des boîtes de joie. Mais que peuvent-ils bien faire de toutes ces valises? Des boîtes pour leur hamster ou leur chihuahua. Mais que peuvent-ils bien faire de toutes ces valises? Des boîtes de liberté, d'égalité, des boîtes de bon mouvement à partager. Que peuvent-ils bien faire de toutes ces valises?